veux organiser la résistance, il y a deux, trois trucs que tu dois savoir. T'as quatre façons de procéder. D'abord, tu peux libérer des otages de la secte. C'est des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont construit deux saloperies d'hôtels. Troisièmement, tu peux rendre service à la Résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Et pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installés dans la région. Si tu les libères, la Résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose d'utile. Pour le moment, va vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord? Terminé. Ça sert à rien de quitter l'île tout de suite. Il y a toujours beaucoup de brouillard à ce moment de l'année. Tu risques de tourner en rond. Attends un peu, ça va se lever. Allô, Falls End? Si...
Salut, Henry. Je suis à la lisière de la forêt, près de là où t'as vu un signe d'incendie. Je sais pas ce que voulait ce frimeur en rasant la cime des arbres, mais il n'y a plus rien dans le ciel. La fumée est assez épaisse, mais je vais devoir m'approcher. Touché le jackpot. C'est une cage de survivalistes. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil.
Amen. Un type près des quais. Si tu l'aides, peut-être qu'il acceptera de prendre un flingue et de t'aider en retour.